Hop. Salut, moi c'est Laure Marie. Je suis venue pour Mouldad. Ça va? Bienvenue. Enchantée. C'est une très belle femme et je me dis je vais prendre le temps de vraiment faire sa connaissance. T'as pas peur, Maria? Je lui dis au revoir pour qu'elle prépare ses valises. Oh, d'accord. Sous les yeux de Maria. J'ai l'impression que c'est une provocation. Il ne veut pas que je l'embrasse. Depuis l'arrivée de leur mari, Mujdad commence à changer et ça ne me plaît pas. Avec Marc, c'est encore un jeu de séduction, on est très proches, je perds tout contrôle. On t'a créé un costume, ton personnage, Mathias le millionnaire. Je suis heureux de vous accueillir ici. Tu fais quoi dans la vie? Je fais rien, je chill. Il doit cacher quelque chose, ce mec. C'est quand même un millionnaire. Et là, il s'est transformé en Patrick du camping, quoi. Je suis un peu perplexe sur le comportement de Mathias. Mathias, c'est mon pote, je l'adore. C'est vraiment un bon gars. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans la soirée, je vais parler avec lui. Il faut que j'arrive à éclaircir ces choses-là. Ah. Alex, t'as un message. Oh, putain. Fred Mac. Je dis, je veux pas qu'il parte. Vous me dites maintenant de choisir un entre les trois. Hé, hey. Prenez votre micro. Allez vous faire. Je suis totalement perdu. Où Alix? Où est ma princesse? Si demain elle n'est pas là, vous partez? Ouais. D'éventuellement devenir prince, ça vous intéresse pas tant que ça? Franchement, je pourrais le faire, y'a pas de soeur. Abby, là, tu veux participer au duel pour devenir prince? Ça veut dire quoi en fait? T'es sincère ou t'es pas sincère? Oh! Y'a Alix! Pour l'instant, du peu que je vous ai parlé à chacun, vous avez tous des putains de qualités et des putains de valeurs que je recherche vraiment. Et je trouvais ça trop injuste de mettre trois gars de fous, de pas me laisser assez de temps pour les découvrir. Je trouvais que là, c'était injuste et pas assez. On sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'elle va dégager un gars? Est-ce qu'elle va partir? Là, on a un petit peu peur sur le moment. Je pense qu'on est tous les trois dans la même situation. Et voilà, j'ai hâte de savoir en tout cas. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu cette discussion avec l'agence. Et ils m'ont laissé quelques jours de plus avec vous. Et de retour dans la maison, moi je suis trop content, j'ai la patate et je me dis que c'est le moment de marquer des points. Faut que je lâche rien, alors absolument rien. Et les autres, tant pis si je les écrase. Du coup, je suis contente de vous retrouver et de pouvoir passer du temps avec vous parce que vraiment vous le méritez. Oh là là, qu'est-ce que je suis content! Parce qu'on va enfin pouvoir passer du temps ensemble et il va vraiment falloir y aller pour lui prouver les choses et se démarquer. J'ai pas envie de laisser ni une aventure, ni quoi que ce soit m'empêcher d'être qui je suis. Et j'ai envie que vous fassiez pareil, donc soyez vous. Venez, on fait tout ce qu'on peut pour apprendre à se connaître un maximum et aidez-moi à me prendre une décision. Maintenant, il est temps de rattraper le temps perdu. Donc là, c'est le moment de montrer qui on est vraiment. Je vous aime trop, c'est trop mignon. Vous me facilitez grave par la tâche, les gars. Ça me fait grave plaisir de les revoir. J'espère qu'ils vont mettre à profit le temps qui nous est donné en plus pour m'aider à faire un choix, parce que là, j'ai besoin d'eux. Est-ce que vous avez remis votre sexualité en jeu, du coup, après d'avoir passé tout ce temps entre hommes à trois? J'y ai pensé. Non. Avez-vous pensé à faire un trouple de mecs? Ils sont contents, là. Comment ils sont heureux. Ils sont heureux, là. Je t'explique, ils tiraient la tronche pendant deux jours. Je suis contente qu'Alex revienne dans la maison, parce que je m'entends bien avec elle, et j'espère qu'elle a bien réfléchi. Je suis contente de vous retrouver. Je suis désolée d'avoir pété une crise de folle, navrée. T'inquiète. Ouais. En fait, je suis quelqu'un, il faut que vous le sachiez. L'émotion, j'arrive pas à la canaliser, la prendre avec recul ou quoi. Vraiment, ça pète, quoi. Ça pète, c'est comme ça. J'y peux rien. Moi, cette année, ça a été une année très compliquée pour moi sur énormément de points. Et je suis quelqu'un de brisé aujourd'hui, je suis consciente. Je suis consciente de ça. Et c'est dur. Allez, on lui fait un câlin général pour lui dire la bienvenue. Voilà. On retourne parmi nous. Bienvenue à la maison. Alix, elle a sa place ici. Alix, elle a énormément de choses à découvrir ici. Et j'espère pour elle que, en fait, elle a mûrement réfléchi, qu'elle va pouvoir prendre une décision, choisir entre les trois. Je suis vachement contente, mais du coup, je pleure encore parce que c'est comme ça. C'est des larmes de joie, c'est bien, c'est cool. Et des larmes de joie, ça me fait trop plaisir. Et en plus, je vois que Larry manquait, donc ça me fait trop plaisir encore plus. Et ça me touche trop. Et passons à autre chose, tu fais repérer, s'il te plaît. Enfin bref, bon, pour ceux que je connais pas, enchantée. Enchantée. Laure Marie. Laure Marie, t'as des très beaux yeux. Merci, toi aussi, t'es très belle. Il est temps de faire leur connaissance et de savoir comment ils s'appellent et de savoir surtout pour qui ils sont venus. D'essayer un petit peu de faire la fouine, savoir s'ils sont sincères, parce que voilà, j'adore faire ça. T'es venu pour qui? Mujdad. D'accord, il te plaît ton prince? Ouais. Ça a l'air d'être une femme de caractère. J'espère que ça créera pas des conflits. Bonjour, enchantée Noah. Ça?
C'est qui ta princesse, du coup? Beverly. Yeah. On se retrouve enfin les trois princesses ensemble. C'est vrai que ça faisait un petit vide quand même parce que Alix avait beaucoup de peps dans cette maison. Ça fait du bien, on est tous au complet et je pense qu'on va bien redémarrer l'aventure. Je suis désolée, les meufs. Je vais raconter l'histoire, tu vas être chaud. Je suis désolée, on voit très bien les poitins. Évidemment, nous sommes des filles, on va pas se mentir. On adore les débriefs, donc on se précipite. Débriefing dans la chambre. Il y a un truc, nouveauté, je te le dis. J'ai ramené un babyphone. Genre, hier, je suis partie transférer le babyphone dans la chambre des mecs. Genre, on écoute tout. Genre, hop, t'allumes, au cas où si tu veux faire des rondes de la nuit, t'hésites pas. Ah, t'espionnes les gens. Mais bien sûr, on sait jamais. Ah, ouais. C'est devenu Big Brother, là. Ça me fait plaisir de retrouver mes nouvelles copines. Je me suis attachée aux deux. Franchement, je vois que je leur ai manqué et tout, donc ça me fait grave plaisir. Ok, ça va. Et toi? Je pensais que la cérémonie d'hier, j'allais avoir un prétendant. Au final, non. Et genre, tu sais, je me commençais à grave me rapprocher de Marc, tu vois. Et au final, hier soir, danse, dérapé, machin et tout, et on s'est embrassé. Il embrasse bien. Tout. En même temps, vu toutes les vidéos avec sa langue dehors, il a fait, s'il l'embrassait pas, ça casse le mythe. Maintenant, je suis prête pour enfin commencer mon aventure sur un meilleur pied et trouver l'amour. Ah, ça fait plaisir de retrouver notre petite Alix en pleine forme. Tellement en forme que Noah, nouveau prétendant de Beverly, va subir un interrogatoire en bonne et due forme. Mais j'aimerais bien entendre ton histoire à toi. Bah, en gros, on s'est parlé pendant le confinement, sur Insta, sur FaceTime, etc. Donc j'explique, c'est lui qui est venu m'écrire. Il a tapé quoi dans sa barre de recherche? Hashtag Montpellier. Allez, merci. Parce qu'il voulait aller draguer des filles, d'accord? Dis-le. Mais c'est bien, moi, il est au téléphone. Non, mais il me l'a dit. Le mec a tapé le hashtag Montpellier parce qu'il était de passage à Montpellier et il l'a trouvé dans les photos les plus likées. Quel charo. Il l'a dit, il était honnête. Sur Insta, t'as mis Montpell. Ouais, il s'est dit, elles sont les petites fraîcheurs que je vais pouvoir pécho bientôt. Et là, du coup, je commence à me dire, oh là là, dans quel domaine je vais, parce que elle pose des questions qui peuvent faire réfléchir Beverly. Et là, Alix, elle m'aide pas du tout. C'est quoi ce là? Écoute. Tu es à Montpellier? Ouais, tu rigoles, quoi. Elle assume pas. J'explique, c'était le confinement, donc je surfais des heures et des heures sur mes réseaux. Donc t'es une crevarde, t'assumes pas. Et là, j'ai vu un beau gosse. J'ai dit, ah ouais, il est beau. En plus, dans sa biographie, franchement, il y avait écrit quoi? Ingénieur, master double, directeur. Tout ce que t'aimes. Il a tout ce que t'aimes. Le master. Cerise sur le gâteau. Il y avait marqué master dans sa bio. C'est tout ce qu'elle cherche. Elle nous le répète. Elle nous bassine depuis le début de cette aventure. J'ai mis, je crois, quelques jours pour répondre. Après, j'ai dit, après, je suis revenu. Mais Titi, alors là, mais elle assume que dalle. Heureusement, tu vois qu'il n'y a pas que dalle. Elle assume que dalle. J'ai envoyé le message. Quelques jours, voire quelques semaines. Je te jure, sur ma grand-mère, t'assumes pas, mais alors là. Ah, mais c'était pas 3 jours, c'était 3 heures. Non, mais même pas. Oui, bon, j'essaye d'arrondir les angles. En fait, j'ai pas envie de dire que j'ai répondu de suite à Noah. Parce que de base, en vrai, je réponds pas au mec, je parle pas au mec, en vrai, dans ma vie. On va dire que j'ai répondu peut-être 3 minutes après. Moi, je fais croire genre 3 heures. Il y a les heures et les dates sur les réseaux. Ouais, mais tu sais quoi, je regarde parce que lui. Ah oui, parce que monsieur, je sais qu'il supprime ses messages. Donc tu pourrais même pas les montrer. Mais c'est pas ça, je suis maniaque, je supporte pas avoir des messages. Mais surtout, parce que je supporte pas. Cette histoire de la suppression de messages, je trouve ça archi bizarre. Parce que si t'as rien à cacher, en fait, concrètement, t'as pas besoin de supprimer tes messages. Ça me paraît aussi un petit peu. Moi, ça me paraît un peu. Mais que dalle, non, vraiment. Vraiment, et mon téléphone. Si tu supprimes, on peut le prendre quand on veut. Ouais, si je le laisse poser là, tu le vois, tu. Bah, si je peux le prendre vu que tu supprimes tout, il n'y a aucun problème. Non, parce qu'il peut sonner, quelqu'un peut envoyer un message. Ah oui, c'est vrai. Pas grave. Donc encore une nouvelle fois, je suis en situation de faiblesse parce que là, Alix, elle va loin. Elle réfléchit trop et nous, on réfléchit pas si loin. Des garçons, il faut pas l'oublier, hein, tout ce qui est tout ça, on n'y pense pas. Là, je me suis bien amusé. Si tu veux mes codes Insta, je te les suis, j'en ai rien à taper. Si on venait se mettre ensemble, ouais, il m'a dit ça. De toute façon, il s'en foutait, il avait déjà supprimé tout. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, il fait le grand mec qui fait confiance et qui laisse son portable sans mot de passe. Mais il nous confirme quand même qu'il supprime tous ses messages sur les réseaux sociaux. Venant d'un ancien charo comme lui, je serais Beverly, je me méfierais un peu. Écoute, je mettais des stories, mais tu sais quoi, genre, tu me rends fou, il me marquait. Non, mais voilà. Et. Bien sûr, mais il me manque clairement. C'est marrant parce que t'as pris un petit peu de couleur depuis le début de la conversation, mais c'est sympa. Non, c'est parce que je parle, du coup, le son il monte, c'est normal. C'est physique, c'est chimique, c'est scientifique. On va lui laisser une chance parce qu'il a quand même fait le déplacement ici. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un chasseur sur les réseaux, quoi.
Donc ouais, c'est un peu suspect cette histoire quand même. Bon, bah tu fais bien de nous prévenir, on va le garder à l'œil ce petit noix. Allez, maintenant que notre princesse Alix est de retour, pourquoi ne pas célébrer les retrouvailles avec une soirée en mode Love Beach? Donc c'est parti, on se met tous en bande de bébés. On va s'éclater, on va s'amuser, on se met tous en mode. Et là, les gars, ce soir, il faut que ce soit caliente. Vous allez me dire que tous les prétextes sont bons pour faire la fête? Eh ben oui, c'est pas faux. Tiens, tiens, j'ai remarqué que Foujdat était particulièrement de bonne humeur depuis que leur mari est arrivé. Pour quelqu'un qui disait ne pas aimer les blondes... C'est la journée, leur mari. Mais elle me plaît, elle bouge bien, elle a un regard perçant. Elle est vraiment très jolie, cette femme. Donc on ne peut pas être insensible à son charme, c'est pas possible. Toi, tu veux faire une salsa, en fait. Tu sais danser la salsa? La salsa, pas du tout. Ah ouais? Toi, tu vas apprendre demain, je vais te donner des bois. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir danser la salsa et la, ou la bachata, mais je sais pas la danser. Ouais. Non, bien. Non? Ouais, ça va. Je danse avec Mujdat, je suis contente. Du coup, on se rapproche, je sens qu'il y a un truc, tu vois, qui se dégage dans nos yeux. Mais du coup, je suis contente. J'ai kiffé et après, on verra avec le temps. Encore une fois, Mujdat passe du temps avec leur mari. Donc, je sais plus, en fait, je ne comprends pas cet homme. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment, ce qui lui plaît vraiment, qui lui plaît vraiment. Et est-ce qu'il est vraiment prêt pour l'amour, en fait? Alors que Maria fait tout pour prendre sur elle et ne rien dire, les prétendants d'Alix, eux, ont un lourd secret qu'ils aimeraient bien confier à leur princesse. Bon, j'espère quand même qu'ils vont pas nous gâcher la fête. On a eu le temps de réfléchir et on a creusé un peu en amitié tous les trois. Et on a vu certains trucs qui nous ont pas plu et on voulait t'en parler ce soir, tu vois. Qui nous ont pas plu, vraiment? On va t'expliquer, ouais. Ouais, je t'écoute. Avec Thomas, on décide d'aller voir Alix parce qu'on a entendu des trucs qui nous ont pas forcément plu. Et on remet un peu en question la sincérité d'Abby. D'avoir le duel d'éventuellement devenir prince, ça vous intéresse pas tant que ça? Par contre, je pourrais le faire, y a pas de souci. Alix, c'est une personne qui a vraiment souffert. Du coup, je me dis que c'est important de la protéger, histoire qu'elle souffre pas une deuxième fois. Je crois pas qu'on se ligue contre tous les deux contre Abby. Mais juste, on va te dire des trucs. Enfin, parce que moi, je préfère être honnête, tu vois. Bah, dis-moi pourquoi. Parce que Abby, je trouve, on parle de sincérité, tout ça, tu vois. Et au final, il est pas archi sincère, tu vois. Parce que quand on avait dit le truc là, pendant la réunion, les trucs des princes, et on en reparle tous ensemble. Et là, il nous dit quoi? Il dit, ouais, mais quand même, les gars, pour le business et tout, moi, c'est mon travail, c'est quand même important. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais qu'Abby travaille sur les réseaux, que la visibilité, etc., c'est quelque chose dont il a besoin et avec laquelle il vit. Et là, d'apprendre ça, ça me met un petit peu un froid et voilà, ça me plaît pas trop, quoi. Lui, la fame, c'est son travail en soi. Tu vois ce que je veux dire? Plus il aura des abonnés, plus il aura des choses comme ça, plus ça sera, tu vois, plus il va gagner de l'argent. Dire, tu vois ce que je veux dire? Non, mais parle-lui-en. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te donne genre les cartes en main pour que tu puisses tester. Je pense qu'elle est intelligente. On l'a juste mise en garde parce qu'on a vu des choses pendant son absence, voilà, qu'elle pouvait pas voir elle. Voilà, après tout, si on peut faire dégager quelqu'un, autant que ce soit lui. J'ai peut-être un peu, dans mon délire, oublié aussi que c'est vrai que le métier d'Abby, il est public. Et ça, c'est une parallèle que j'avais oublié de prendre en compte parce que c'est vrai que lui, il est médiatique, il est, tu vois. J'ai pas trop envie de montrer aux garçons ça matin parce qu'il y a quand même une compétition entre eux. Je prends les informations. Effectivement, ça me déçoit énormément. Je vais faire ma petite enquête. Mais voilà, j'essaie de pas laisser transparaître trop de choses vis-à-vis de Thomas et Nico, histoire qu'ils se sentent pas trop frais tout de suite. Viens me voir comment ils sont collés. Ils sont bruts. Je te verrai. Avec Marc, c'est très charnel. C'est vrai que c'est une connexion assez physique. Voilà, c'est vraiment très dans la séduction et tout. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de profondeur. On ne discute pas plus que ça. Donc voilà, je décide de m'isoler avec lui. Ah ben voilà une bonne idée, Kéline. Après 2 jours à se galocher, il serait peut-être temps d'en découvrir un peu plus sur lui.
Je sais pas, moi, je veux savoir c'est quoi tes hobbies dans la vie. Genre, à part les photos, genre, qu'est-ce que t'aimes faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quoi tes projets dans l'avenir? Mon projet, c'est d'ouvrir un barbeur, un salon de tatouage. C'est vrai, tu m'avais dit ça. Voilà, tu vois. Du bon enfant. Moi, j'en veux deux ou trois. Deux, trois? Deux ou trois. Me marier. Je me dis, waouh. Avec Marc, ça passe du tout au tout. Soit c'est juste charnel, soit tu me parles d'enfant carrément. Donc, c'est assez surprenant, mais bon, j'accepte. Tu te verras d'avoir avec moi. Oh, ça va aussi. Je sais pas, je demande. Mais attends, déjà, si je t'ai embrassé, ça veut dire que tu corresponds aux critères d'un potentiel copain. Et quand je suis avec Kéline, ce que j'aime, c'est le fait de me sentir important à ses yeux. Je suis vraiment content de partager ce moment-là avec elle. Et c'est du bonheur, c'est un kiff. Moi, j'ai pas une enfance facile, tu vois. Mon père s'embrouillait de ouf, mais vraiment de ouf. Parce qu'en fait, je faisais confiance à personne. En fait, dans l'exercice de l'autre jour, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance à personne. Pourquoi tu faisais confiance à personne comme ça? Bah, j'ai trop souffert, en fait. Quand j'étais petit, les gens se moquaient de moi. Parce que j'étais gros, parce que j'étais jamais le mec qui était avec beaucoup de monde, toujours un peu à l'écart. Ah, t'as un tourné, on dirait un nez de cochon. Physiquement, voilà. Une physique, quoi. C'est toujours au physique qu'on s'attaquait. J'ai peur de ouf, en fait. C'est vraiment ça qui m'a fait changer de ouf. Ça arrive pas, je sais pas. Je me dis genre, si j'arrive dans 5 ans, j'ai pas ma famille ou je sais pas, tu vois, c'est compliqué. J'espère que Kéline comprend le fait que je raconte ça, parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais, je ne me livre à personne. Et si je me livre à elle, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle me plaît vraiment, en fait. C'est touchant de fou, c'est incroyable. C'est choqué. Comme quoi. C'est choqué. Moi, j'ai ma carapace aussi, tu vois. Ouais. Et au final, quand tu creuses un peu plus, tu te rends compte qu'en fait, le mec qui est qu'à dehors, c'est vraiment le mec qui, en fait, bah, il se donne une image qu'il n'est pas forcément, tu vois. C'est vraiment, je fais genre le mec sûr de moi, je fais tout ça, mais ça n'a rien à voir du tout. J'aurais jamais pensé de le dire, tu vois. Mais moi aussi, j'aurais jamais pensé que t'allais me sortir tout ça. Je ne m'attendais pas à avoir une discussion comme ça avec Marc ce soir. Mais vraiment, c'est ça. C'est ça que j'attendais, c'est ça que je voulais. Et j'espère en tout cas que ça va nous faire encore plus avancer dans notre aventure. Je suis super contente qu'il se soit ouvert à moi. Passe à autre chose. Allez. Après cette discussion, je sens qu'il y a un changement dans la relation. Dans le sens où... Ou Kéline, ça lui fait plaisir vraiment que je me sois ouvert à elle. Du coup, le meilleur est à venir. Ah, ça tu l'as dit, mon coco. Coco, coco. Et ce soir, il y en a une autre qui a besoin de parler, c'est Alix. Il faut que je discute avec Abby quand même, parce qu'il faut que je fasse ma petite enquête. Ou tu m'abandonnes, Abby. Non, ah. Tu m'aimes plus. Abuse pas. Attention à ce que tu vas dire, mon petit Abby. Tu connais la bête. Non, je t'ai manqué pendant que j'étais pas là. Ouais, franchement, de fou. Mais ça fait réfléchir quand même un peu, tu vois. Depuis qu'Alix est revenu, je sais plus trop sur quel pied danser. Parce que Alix est une personne dure à comprendre. On n'arrive pas à savoir vraiment ce qu'elle pense. Ça me fout mal. C'est difficile d'être dans son élément, dans ce genre de... C'est pas les éléments qui me bloquent. C'est quoi, c'est moi? Ouais. Bah dis-moi, c'est quoi? Mais je sais pas, j'arrive pas, genre je sais pas si... Bah peut-être que je te correspond pas. Alix, j'ai l'impression qu'elle commence à me tester. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, je sens un mood chelou qui est un peu trop sérieux comparé à d'habitude. Je me dis, bon mon gars, je réponds bien aux questions parce qu'au final, à tout moment, t'es sur la sellette. Cette année, j'ai une année très compliquée, vraiment. Et je supporte plus beaucoup de choses. Je supporte pas qu'on me mente, je supporte pas qu'on essaye de me manipuler, je supporte pas qu'on me dissimule des choses. Qui peut essayer de te manipuler, toi, Alix? Bah, énormément de gens, figure-toi. Ah ouais. Et il y a beaucoup de gens qui se sont joués de moi, autant sur le point de vue professionnel que amoureux, que amical. Mais là, cette année, c'était l'année de trop. Voilà. Tu vois, mon meilleur ami, il a une phrase qui me définit très bien, tu vois. Alix, c'est comme les enfants. Si tu lui dis, je vais te donner une glace, tu lui donnes une glace, sinon t'es un menteur. Et aujourd'hui, c'est ça, et je tolère plus rien, ni qu'on essaye de manipuler, ni qu'on essaye de servir de moi pour avoir de la visibilité ou du ci ou du ça. Je mange non, tu vois. J'essaye de tester la sincérité d'Abby. Malheureusement, bah, c'est vrai que c'est quand même un mec très intelligent, donc je suis pas sûre qu'il se laisse prendre au piège comme ça. Donc du coup, je pense qu'il ressent que je suis suspicieuse totalement avec lui. Peut-être que aussi, Abby, c'est le souci, c'est qu'à la base, t'es pas venue pour moi. C'est peut-être ça aussi le problème, tu vois. Pour qui? Bah, pour quelqu'un d'un petit peu différent, peut-être avec un caractère un petit peu moins puissant, tu vois. Alix commence à avoir des doutes sur moi. Ça me fait peur pour la suite de notre relation. Donc c'est-à-dire qu'au final, dans ce moment-là, je suis un peu dans le doute. J'aime pas du tout qu'on mette ma parole en doute, par contre. C'est un truc que je déteste. S'il y a bien des gens ici, s'il y a bien une personne ici qui dit la vérité, surtout de A à Z, c'est bien moi. Et je pense que tu le sais. Donc, tu penses que j'en doute? Ouais, un peu.
Là, en l'occurrence, un peu. J'ai l'impression qu'Abby, il est pas sincère. Il va falloir que je creuse pour avoir plus d'informations et que j'en sache un peu plus parce que je peux pas faire un mauvais choix pour le futur. Et si Abby n'est pas ici dans une démarche sincère, on finira par le démasquer. Un peu comme mon petit protégé Mathias, qui depuis quelques jours enchaîne boulette sur boulette. Mathias, on va parler. Je veux que Mathias m'explique pourquoi ce contraste entre son arrivée et l'animateur de camping qu'on voit aujourd'hui tous les jours. Comment va ? Ça pourrait aller mieux. C'est un contraste tellement flagrant que je me pose la question à savoir réellement qui il est ce mec. En fait, je vais t'expliquer une chose. Aujourd'hui, il y a des choses que je comprends pas, par exemple, chez toi. Et c'est pour ça que j'ai besoin que tu m'expliques. J'ai trop peur parce que je sens que Moujdat, il se pose des questions. Il se dit que le mec qu'il a vu le premier jour au château en mode prince millionnaire, c'est pas du tout la personne qu'il a en face de lui ce soir. Les actes que t'as fait pour rentrer dans cette aventure, c'est-à-dire envoyer des chocolats, envoyer des roses, toutes ces choses-là, en fait... Ça m'a fait passer pour un mec super romantique et je suis tout l'inverse dans l'aventure. C'est pas ça. L'accueil, tu sais, dans un château, tu sais, le truc millionnaire, le truc, tu sais, le mec tu vois. Et quand, en fait... Aujourd'hui, j'analyse ton comportement et je regarde, il y a un contraste. Et j'aimerais comprendre pourquoi il y a ce contraste-là. Oh là là. Et là, mais je me dis, mais je suis mort. Je sens que Moujdat, il est pas loin de découvrir mon secret et j'ai peur de me faire cramer. Le mec gentleman, le mec, tu sais, qui nous invite dans un endroit de ouf, qui envoie des chocolats. Parce que... À ce moment-là, je suis dans le flou total, j'ai archi du mal à me défendre, je sais pas quoi dire, je sais pas où me placer, je sais pas quoi faire. Frère, j'ai 23 ans. Je sais, je suis d'accord avec toi. Non, j'ai 23 ans. Mais tes actes font que... bien vu. Moi, j'ai 23 ans. Mais genre, c'est super connu. Genre, même mes potes, ils me le disent. Frère, je suis dans ma tête, j'ai 15 ans. Et encore, je suis trop gentil, genre. Il botte en touche, Mathias. Il répond à côté. Il est pas clair. C'est comme quelqu'un qui avait quelque chose à se reprocher. Il est bizarre, ce Mathias, en fait. J'arrive pas à le cerner. Toi, aujourd'hui, comment tu expliques ce contraste-là? Pour toi, il n'y a pas de contraste. C'est toi. Pour moi, je suis tellement comme ça, genre. Oui, mais t'es comme ça là. C'est-à-dire que comme on est là depuis quelques jours. Je suis comme ça. Même à l'entrée, à ta rentrée, t'étais pas comme ça. Non, Moujdat, il est vraiment trop curieux. Je sais pas quoi lui dire comme excuse, je sais pas quoi trouver. Je sais pas du tout si Moujdat me croit. Posez, c'est ce qu'il veut. Ouais, message. Moujdat, message. Oh, tu fais peur. Je lis un peu en douce et je vois que ça concerne Mathias. Oh Dieu. Non, Mathias. Il va le lire. Tiens. Kéline reçoit un message et ça me concerne. Mais je dis ouais, c'est chaud de ouf. Mathias, tu manques énormément à quelqu'un de ton entourage qui a voulu te laisser un message. Nous te laissons le découvrir. Wow. J'ai la chair de poule. Moi aussi, j'ai là, du coup, je suis pas bien du tout. Je commence à transpirer. Oh là là, je suis perdu. Déjà que Moujdat a des doutes, c'est trop compliqué pour moi ce soir. Coucou mon doudou, juste te dire que je pense fort à toi. C'est ma maman. Et en fait, ma maman, elle est pas au courant de cette expérience. Le fait que je sois millionnaire, le fait que j'ai beaucoup d'argent, et j'ai vraiment trop peur de ce qu'il va y avoir dans ce message vidéo. Tu me manques, la famille pense bien fort à toi, les potos aussi. Une petite surprise, t'attendra à la maison un petit tiramisu. C'est la famille, c'est une maman, et je vois que Mathias s'est vraiment touché. C'est le petit bébé à sa maman, et ça me touche en plein cœur, en fait, j'ai les larmes aux yeux. Et puis, j'espère que ton boulot te manque pas trop quand même, hein, parce que ça va pas être facile pour toi. Boulot ? De quel boulot on parle ? Mathias est le fils d'un homme qui est très riche. Pourquoi on parle de boulot, là ? En fait, je comprends pas. On se regarde tous dans le blanc des yeux, on dit, mais Mathias, quel travail ? Mathias, quand il est rentré dans cette aventure, nous a bien dit qu'il chillait, qu'il travaillait pas, donc c'est quand même bizarre. Plein de gros bisous de maman, je t'aime. Erreur fatale. Et là, j'ai tous les regards qui sont sur moi. Et là, je me sens vraiment bloqué dans un cul-de-sac à ce moment-là. Vous moquez pas, vous êtes tous les petits bébés à vos mamans déjà. Attends, comment ça ton travail? Ouais, bah attends, parce que tu travailles en fait. Sa maman parle de travail. Donc sur le coup, je tombe un peu dénue, je me dis, mais attends. Je sens déjà que Mathias, depuis le début, cache quelque chose. Ouais. Entre moi et ma mère, ça vous regarde pas. Ah, donc vous voyez, il fait pas que chiller, on avait raison avec nous là. Alors le chilling? Je me dis, mais ce mec, il ment sur toute la ligne ou il joue un rôle? Je ne comprends pas à ce moment-là. Et donc, du coup, t'aimes les tiramisu? À quoi? C'est entre moi et ma mère, je peux pas comprendre. Je suis totalement dépassé par les événements, je sais pas du tout comment je vais me sortir de cette situation. Tu veux finir la conversation ou pas? Je sais pas.
Non, je pense que c'est pas le cas. Hein. Non, c'est pas le moment. Je pense que c'est pas le moment. Céline, c'est pas le moment. Faut le laisser un peu. J'ai besoin de m'isoler, d'être seul. Mais en même temps, je pense que l'émotion, elle m'aide vis-à-vis des autres parce que ils vont être touchés. Et ce moment-là, ça m'aide à avoir du temps pour moi-même, à réfléchir et à savoir comment je vais me sortir de cette situation. Si on a lancé cette expérience avec Mathias, c'est pour savoir si l'amour a un prix. Mais là, tout est en train de partir en sucette. Donc il ne nous reste plus qu'une seule option, intervenir. Alors, mon petit loustique, je vois dans les yeux de Mathias, mayday, mayday. Il est en stress, il est en panique totale, goutte au front, il transpire. Je pense que j'ai bien fait de venir ce soir. Et là, j'ai trop peur pour vous le secret. Ton secret, je vais t'aider. Je suis là pour ça. Je vais t'aider à max. Il est trop intelligent, en fait. Je le pensais pas du tout comme ça. Julien Bert, dans l'aventure, c'est mon complice, donc j'ai vraiment besoin d'aide de sa part, parce que là, je me sens vraiment en danger. Tu dis, je suis très proche de ma mère. Et mon job, c'est faire plaisir à ma mère toute la journée. Tu dis ça, c'est mon job, faire sourire ma mère toute la journée. Et c'est un délire entre elle et moi, c'est ça ton petit job. Et c'est pour ça qu'elle te dit, n'oublie pas ton petit boulot, parce que ça veut dire, je lui manque. Voilà, c'est bon, je t'aide. Oh putain, je suis bon. Et Julien, il est grave là pour moi, il me donne des bons conseils. Et je suis grave content d'avoir eu cette discussion avec lui. Je sais que maintenant, dans l'aventure, j'ai un allié de taille. Et je sais qu'il va m'aider pour la suite. Tu te comportes bien avec les filles? Non. Tu le sais? Mmh. Je t'avais dit quoi, frérot? La première attitude, c'est ouais, mais c'est être gentleman avec les filles. Faut pas négliger ça. Ça, c'est la base. C'est le truc le plus important d'une, toi, dans ta vie de tous les jours. Tu dois être gentleman avec les filles. Et là, encore plus avec ce que t'as voulu endosser. Cette vie-là qu'on te donne. Cette nouvelle vie de Mathias le millionnaire. J'explique à Mathias que l'objectif premier, le viseur, c'est les prétendantes. Apprends à les connaître. Drague-les, même si c'est toi le prince, c'est pas grave. Et ne les néglige pas. Oublie pas qu'il y a un duel. Le duel, c'est toi aussi tu peux sauter. Un prétendant va pour prendre ta place si tu te comportes mal. Mais faut pas que tu perdes en vue l'objectif que t'es là pour trouver l'amour. T'es pas là pour te faire des potes. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Je me sens totalement en danger. Je sais que je peux perdre ma place de prince à tout moment. Il faut vraiment que j'applique les conseils de Julien. N'oublie pas, perds pas en tête d'être gentleman. C'est comme ça qu'on arrive à charmer les filles. Allez mon frérot, sois bon. Continue ce que tu fais. Bon, j'espère que mon petit loustique aura bien retenu la leçon et qu'il fera un peu plus attention lors des prochains jours. On va dedans ? Allez, allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. C'est génial. Ah, tu n'étais pas au courant. C'est un génie. C'est vrai que l'histoire du baby fat, c'est une idée, mais majestueuse Beverly, elle a vraiment de trop bonnes idées. Tu sais quoi, tu te mettras sur la terre toute la nuit. Mais moi aussi, j'ai resté pendant des heures comme ça. Elle me fait grave rire parce qu'elle est vraiment partie dans un délire où on va espionner tout le monde. Et concrètement, je pense que ça va nous aider à nous faire une idée un petit peu sur nos prétendants. Parce que là où ils disent les choses les plus intéressantes, visiblement, c'est quand on n'est pas là. Ça va, mon pote? Moi, ça va, frère. Avec Eline, je me sens bien, je me sens moi-même. J'aimerais bien apprendre à connaître un peu plus et qu'elle apprenne à me connaître aussi. Entre moi et Kéline, c'est très sensuel et il y a beaucoup de jeux et on profite. Enfin, on verra plus tard, les gars. Bon, allez, bonne nuit, on va se coucher. Allez, salut. Ciao. Bon, après une dure soirée où on a tous eu un peu chaud, ce matin, les filles sont à peine réveillées qu'elles réalisent que le babyphone a encore frappé. Et tu sais ce que j'ai appris? Non. Marc? Oui. Il n'aime pas faire l'extérieur. Quoi? Je te jure. Cette nuit, j'ai surpris une discussion entre Marc et les garçons de la chambre. Au babyphone, j'entends que Marc il parle d'une relation qu'il a avec une fille à l'extérieur, qu'il est en couple, que sa copine, elle est chez ses parents actuellement, qu'ils sont limite fiancés, que c'est vraiment du sérieux. Franchement, je suis totalement perdue. Mais t'es vraiment sûre qu'il a vraiment une meuf à l'extérieur? Il a dit, ça fait 3 jours que je veux partir, je me sens pas bien et tout, nan. Je savais, en ramenant mes babyphones dans cette baraque, ça allait foutre des scandales de partout. En même temps, j'ai fait ça pour ça. Il se livre à moi. Hier, il se livre à moi, machin, on parle. Je dis pour moi, justement, pour qu'on avance, c'est important que tu te livres à moi. Il le fait. Il me parle d'enfants, tu dois avoir des enfants. Il te parle d'enfants au bout de 2 jours. Il me dit, du coup, tu dois avoir des enfants avec moi, nan. Je suis choquée. J'arrive pas à le croire, je te jure. Je suis choquée. Je me sens vraiment, vraiment trahie parce que cette fille dort chez ses parents pendant que lui, il est en train de m'embrasser et se livrer à moi. Je suis choquée. Du coup, ce matin, je vais devoir prendre une décision parce que je peux pas laisser passer ça. Coucou.
Good morning. Salut. Ça va ou quoi? Vous avez bien dormi? Ouais. Quand j'arrive au petit-déj, très honnêtement, je sais que mes nerfs ils peuvent péter à tout moment. Marc, en fait, c'est l'une des personnes en qui j'avais confiance. Je pensais pas qu'il allait me faire un truc comme ça. Faut que je vous dise quelque chose. En fait, je vous explique. Moi, je suis venue ici parce que, genre, je suis ultra sincère comme personne. Donc, je me suis dit, en rentrant dans cette aventure, je veux tester la sincérité des gens ici, que ce soit pour moi ou pour les autres princes et princesses. Donc, ce qu'on a fait il y a quelques jours, c'est qu'on a mis un babyphone dans cette maison. Et que tout ce que vous avez dit ici a été entendu. Tout ce que vous avez dit ici. Mais moi, je suis choqué de fou. Je me dis, mais comment ils ont pensé à ça? Ça va être très très chaud. Les problèmes sont de retour. Donc maintenant, ici, il y a des gens qui sont faux, très faux. Alors là, je me dis, j'espère vraiment qu'il ne s'est rien passé pour les prétendants, parce que sinon, ça va péter. Et s'il y a quelqu'un qui a un truc à dire, qu'il le dise maintenant. J'attends de Marc qu'il se lève et qu'il assume, parce que je pense qu'il voit que je le regarde bien dans les yeux et que j'ai tout entendu. Il s'est vraiment foutu de moi. J'ai plus les mots. C'est très, très, très tendu. Y a quelqu'un qui a un truc à dire ici? Moujdat. Oh non. Vous savez, c'est qui la directrice de cette agence? C'est une très bonne amie à mon ex. J'ai peur qu'elle soit pas impartiale. J'ai une boule au ventre. Pareil qu'il y a eu quelques débordements. C'est faux. C'est le jour, il faut tout déballer. Moi aussi, j'ai des choses à dire. On va distribuer des tartes à tour de bras. Parce que clairement, j'ai pas mal de révélations à faire. On met tout sur le tapis. C'est pas un homme comme toi qu'elle veut. J'ai pas été honnête avec vous du tout. En fait, c'est une grosse maison d'hypocrites. Ah! Ça vous intéresse pas ce que je dis? Allez, ciao. Allez faire vos affaires. La nouvelle cargaison arrive. Ah bah. Si c'est pour Bastos, je me jette par terre. Ok, là, ils ont envoyé du lourd. J'aime trop. C'est ça qu'ils font. Mais Julien, regardez, mais qui est-ce? C'est un très beau garçon avec beaucoup de charisme. Vous aurez des nouvelles prochainement. C'est qui va sauter? Viens, on va parler de Vince. Le trou du petit, il pense qu'il va me piquer mes prétendantes. Il se met le dos, je pense. Tu te calmes. Ok, on va pas être moi. Non. Je veux pas voir cher comme ça. Non.